Hey, salut à tous les amis, c'est Tournamig, on se retrouve là pour une toute nouvelle vidéo, on est sur Tour de France 2017. L'étape 6, aujourd'hui les gars, on est parti 44 km de l'arrivée, cette étape de plaine aujourd'hui les gars. Donc, il y a une zone avant, on espère bien sûr qu'il y aura du vent. On espère bien sûr qu'il y aura du vent. Alors où je vous parle les gars, on a 2393 abonnés. On est un jour avant Tour de France, on espère les 2400 ce soir. Ça me ferait extrêmement plaisir, en tout cas, juste avant de commencer ce Tour de France. Et allez, allez, hop, 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 on est parti. Et du coup, je vais peut-être faire un live, un petit live ce soir pour les 2400, voilà. Alors, on vous parle, le live est déjà passé, ça fait longtemps. Bien sûr, mais en tout cas, voilà, on est parti avec Sam Dumoulin. Tranquillement, on va essayer de jouer ce sprint massif au sprint intermédiaire. On passe premier du peloton, deuxième, du coup, s'il n'y a qu'un échappé depuis le début. On passe du coup deuxième, ouais, tranquillement. Du coup, ça nous fait quelques points d'avance, mais bon, on n'est toujours pas virtuellement maillot vert, bien sûr. Ça reste notre ami, comment s'appelle-t-il, John Degenkolb. Voilà. Du coup, avec Bardet, on a ce beau maillot jaune. Du coup, on doit contrôler la course maintenant. On doit contrôler la course avec la G2R. C'est beau, si dans la vraie vie, ça serait pareil. Quand on voit la G2R contrôler la course, qui doit contrôler derrière les échappées et tout, ça serait vraiment très, 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 très beau avec un Bardet maillot jaune. Mais ça risque d'être impossible parce qu'il y a le chrono. Voilà. Parce qu'il y a le chrono. Bon, on remarque là, il y avait le chrono, on a perdu beaucoup de temps, mais bon. On va voir, tout est possible de toute façon dans ce Tour de France. Mais voilà. Allez. Oliver Nassen, toujours présent. Bokimolema qui protège toujours Alberto Contador qui n'a plus son maillot jaune du coup. Et oui, Alberto, RT. Ouais, l'échappée, Ivan Ofredo qui va vite se faire reprendre. Chris Froome qui va jouer cette année pour un quatrième maillot jaune en 5 ans. Enfin, pour l'instant, il en a 3 en 4 ans. Mais peut-être un quatrième en 5 ans, ça serait vraiment très beau pour un grand champion comme lui. Ouais, il y en a certains qui disent, Froome topi, regarde courant, regardez comment il attaque, regardez son vélo, il a un moteur, etc. Pff, les gars, sérieux. Il y a eu des milliers de contrôles. Si Froome était... Après, il aurait pu payer comme Cardozo, hein, par exemple. Hein. D'ailleurs, il doit être par là, Cardozo. Il doit être par ici, André Cardozo, je pense. Bon, voilà. Écoutez, Froome, contrôlé, positif, ça m'étonnerait. Enfin, de toute façon, pour l'instant, il a rien du tout. Pour l'instant, il n'y a rien à lui dire. Il est parfait pour l'instant sur le vélo, etc. En dehors du vélo, même, il lutte contre le dopage. Donc, pour moi, franchement, ça serait vraiment impossible qu'il soit dopé. Mais écoutez... Je ne suis pas au bout de mes surprises dans le cyclisme. Cardozo, je ne pensais jamais qu'il allait être dopé. Et voilà, il s'est fait choper juste avant le Tour de France en plus. En plus, il ose dire quand même qu'il est propre. Mais qu'il n'a jamais rien pris. Regardez Armstrong. Armstrong, lui, il a avoué qu'il s'était dopé. Voilà. Armstrong, il a avoué. Yann Ulrich aussi. Prendre des Irans, etc. Ah non. Ah non, moi j'ai rien pris. Ah non. Ah non. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. On le sait tous, de toute façon, après, il y en a qui disent, oui, produits, de toute façon, tout le monde y des produits, cyclisme. Ça. Écoutez, les gars, c'est leur métier. Hein. C'est leur métier, c'est comme si vous disiez footballeur pro, mais non, mais si, ils se dopent, comment vous voudrez qu'ils tiennent tous les matchs? Les gars, ouais, c'est des pros, ils font ça tous les jours, ils y vont deux fois par jour au vélo. Hein. Ouais, ça, prend, ça me tue. J'en ai marre. Le montage qui... Non, c'est bon. J'ai eu une petite frayeur, voilà. En quelques instants, mais écoutez, ça devrait passer normalement. Et allez. Froome pulse, toujours devant, etc. etc. 26 km, on arrive bientôt dans la zone avant. Alors, je ne sais pas pourquoi mon pavé numérique bouge toujours. On est bientôt dans la zone avant. Écoutez, s'il y a du vent, mettre à rouler. S'il n'y a pas de vent, on ne fera rien du tout. De retard pour le peloton sur la tête de course. Normal. Allez, tout le monde est bien placé, on voit John Degenkolb. Est-ce que c'est John Degenkolb ou... Non, je pense que si. Je sais pas, il y a les Cannondale à côté, il y a John Degenkolb, je ne sais pas trop. Je crois qu'il y a John Degenkolb, qui est là-bas derrière, juste derrière. Écoutez, si on pouvait éliminer quelques sprinters, s'il y avait du vent, ça serait vraiment cool. Parce que les zones d'avant, c'est toujours cool à contrôler, à faire, etc. Ça fait toujours marrer, j'ai envie de dire. Ça se dit pas beaucoup marrer, mais moi ça me fait rire, voilà.
Ça me ferait extrêmement plaisir. À son exposé au vent. Ah là là, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y en ait. Je ne crois pas qu'il y ait de vent. Sinon, je pense qu'on l'aurait déjà. On l'aurait déjà. Dernier Oh pointage avec là là. l'échappée, une J'ai l'impression qu'il n'y minute. en a jamais, les gars, réellement. J'ai l'impression Le qu'il n'y en a peloton jamais. Il y en a ressort, jamais. restez Il y en bien a. Ah placés. si, 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 il y en a, il y en a, il y en a. Hop, les gars, tous reliés à 100. Tous reliés à 100. Nous, on va se mettre devant avec Attention les 5000 1. gars, Attendez. mon équipe Vite, tente va une te placer, va te bordure. placer, mon ami. Remontez tout de suite à l'avant du peloton. Allez, faut tout faire péter. Faut tout faire péter. Allez, les cassures, les gars, les cassures. Allez. Allez, faut les faire, ces cassures. Faut les faire, ces cassures. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Ah, j'ai l'impression que ça va pas péter. J'ai l'impression que ça ne va pas péter. Hein. Ah, ça m'étonnerait que ça craque. Ça m'étonnerait que ça casse. Hein. Allez, il y a une cassure qui va se faire. Il y a une cassure qui va se faire. Je la vois là, se faire. On va laisser Philippe Gilbert rouler. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ah, j'ai l'impression que ça ne roule pas assez fort. Ça a fait quelques cassures. Arnaud démarre. Arnaud démarre piégé. Apparemment. Il faudrait que ça pète un peu plus. Il faudrait que ça casse un peu plus au milieu du peloton. Juste derrière Romain Bardet. Ça serait vraiment Il est en cool que ça casse juste difficulté. derrière Romain Bardet. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Puis quelques leaders de prix. Oula. Oula, qu'est-ce qu'ils nous font? Là, les sprinteurs qui sont totalement arrêtés. Allez. Qui c'est qui est parti? Alberto Contador qui est parti. Ouh là 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 là. 13 km, ça roule fort. Ça roule très très fort. Et là, faut pas laisser partir Alberto Contador, par contre. Faut vraiment pas laisser partir Alberto Contador. Moi, j'emmène Les un hommes de tête petit sont peu le encore peloton. J'essaie derrière d'emmener du bon. toi. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller Oula, au ce bout. virage. Alberto Contador qui est parti. Hein. Moi, je vais attendre l'équipe. L'équipe, elle doit rouler derrière là. Allez, les gars, tous à 100. Tous relayés à 100. Vraiment, ça doit rouler plus fort là, ça doit pas rouler à 95. Ah ouais, ça va se regrouper, hein. Ça va se regrouper, y'a rien du tout contre cassure. Y'a rien du tout contre. Et pourquoi mon équipe elle vient pas? Pourquoi mon équipe elle monte pas là? Je comprends pas, hein. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'ils font mon équipe. Et ouais, du coup, c'est Nasser Bouani qui va en personne. Et là, faut pas laisser partir, Contador et Moreno, faut pas les laisser partir, ouais. Y'a plus de vent. Les hommes Et de tête tout le monde est viennent présent, d'entrer dans voilà. les 10 derniers kilomètres. C'est super. Leurs chances de victoire paraissent bien Super minces, étape, les gars. vu Voilà. l'avance qu'ils ont sur le Hop. peloton. Vous êtes super fort, hein. Vous êtes vraiment super fort. Super équipe, les gars. Putain, il y en a pas un qui a été fichu de monter devant, quand même. Regroupement général. Allez, tout vas-y, va mais donc non, se jouer dans ça le va même plus final. rouler, ça va même plus rouler, maintenant. Ouais, ça roule, mais bon, t'inquiète, démarre, il va vite remonter. Si c'est démarre que tu veux plus dans le peloton, lol. Moi, ça me fait rire en tout cas. J'ai le seum. J'ai un petit peu le seum. Allez, 7 km. Voilà, tous les leaders sont présents, tous les leaders sont devant. On va donner le ravito à tout le monde, à toute l'équipe. Et allez. On passe. Oula. Écartez-vous. On arrive dans 3, la ville de Dido Ultra, s'il nous regarde, Dido, celui-là, il essaye de piéger les sprinteurs. Bon, ça m'étonnerait qu'il y aura de mes vidéos, mais bon. Les hommes de tête viennent d'entrer dans les 10 derniers kilomètres. Allez, les moins hop, rapides au sprint Mark Cavendish qui est présent. Ça roule fort, ça roule fort. Tous les trains de sprinteurs sont présents ici. Tous les sprinteurs également sont là, voilà. Regardez, Mark Cavendish qui est ici, avec Sagan dans sa roue. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sprinteurs qui ont pas de train. Regardez, Kittel n'a même pas de train. Marcel Kittel n'a même pas de train, les gars. Il accélère. Oh là 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 là, mais là, c'est bizarre que Marcel Kittel n'ait même pas de train. Il y a juste André Greipel qui a le sien. Et Mark Cavendish. John Degenkolb non plus, ça n'a plus de train. On voit que ça a quand même roulé fort dans ces secteurs. Hein. On voit que ça a quand même roulé très très fort. Allez. Le virage. Et c'est parti, c'est Plus parti, que c'est parti. Pour l'homme de tête. Surface et alors on lance avec Samuel Dumoulin, Caleb Ewan qui est très bien parti. Ah Caleb Ewan qui va aller chercher quoique. Sam Dumoulin et sa victoire de Samuel Dumoulin les gars sur cette étape. Magnifique victoire devant Peter Sagan. Victoire pour la G2R, deux victoires en deux étapes. Sam Dumoulin qui va s'imposer au sprint massif les gars. Voilà, hein. On est quand même en mode. C'est pas c'est mode légende. Ouais, c'est le mode légende, c'est le mode le plus haut. Il On a quand même gagné un sprint intermédiaire avec Sam Dumoulin.
un sprint massif avec le maillot. Pourquoi pas, écoutez. Maillot jaune, maillot vert, maillot à poids, maillot blanc. On est bien dans ce début de tour. Je dis ça, je dis rien. Bien sûr. Mais on est très 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 bien. Regardez, victoire devant Sagan et Ewan. Voilà, un podium qu'on n'imaginait pas vraiment. Cavendish, Christophe Greipel. Et où arrive John Degenkolb. Ici, voilà. Même Romain Bardet vient faire 20ème. Ça bouge pas au classement, bien sûr. Et du coup, maillot vert, on reprend beaucoup de points. On reprend beaucoup de points, John Degenkolb. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, les gars. Hop, hop, hop. Donc voilà, on se retrouvera dans les top 7 qui ne sera pas forcément très, très intéressante. Peut-être qu'on se retrouvera vers 40 km, parce que l'étape de plaine, c'est pas super, super à jouer, les gars. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous me faites plaisir, vous me faites kiffer. Portez-vous bien. Bye bye.